she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. Eh bien, salut tout le monde, c'est Nico et on se retrouve pour un nouveau tuto Redstone, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire un ascenseur, donc qui est lui très très compact, très rapide et assez peu coûteux en Redstone malgré les blocs de Redstone. Bon, des torches, 7 repeaters et normal des pistons. Alors vous voyez quand même, bon, il est pas très coûteux, hein. C'est vrai qu'il y a juste les blocs, après les pistons normal sur un ascenseur. Et voilà, donc on va l'essayer. Hop là. Pensez à se mettre à peu près au milieu. Cliquez sur le bouton. J'ai bugué, excusez-moi. Et voilà, donc vous voyez qu'il est très rapide. Et après, vous avez juste à sauter dans la flaque d'eau. Et c'est bon. Donc on va le retester. Et voir que. Voilà. Et ça nous mène directement sur la vitre. Donc ça fait qu'on n'a pas à bouger, par exemple, comme ça. C'est vraiment rapide, compact et tout. C'est nickel. Hop là, voilà. Et pour re-sauter, ben, dans l'autre façon. Pas besoin d'un scène pour ça, quoi. Donc, ben, écoutez, on va se retrouver pour la construction. Et re, les amis, on va se trouver pour la construction. Alors, pour la construction, c'est très simple. Vous allez mettre un piston, un bloc quelconque. Et là, vous allez faire un mur de autant de blocs que vous voulez. Voilà, par exemple, comme ça. Et vous allez mettre en diagonale. Comme ça, des pistons. Nous, on va pas monter très haut, mais c'est à l'infini. Et donc, plus ça sera haut, plus ça mettra de temps. Et plus vous écoulerez des ressources. Donc, après avoir fait ça, on va faire un mur derrière que l'on va casser après. C'est juste pour poser les pistons coulants, comme ceci. Voilà. Là, juste derrière les pistons qui sont placés horizontalement. Donc là, c'est des pistons non collants, et là, des pistons collants, je précise. Alors maintenant, vous allez prendre des pistons collants avec des blocs de Redstone, comme ceci. Et juste à côté des pistons non collants, vous allez mettre un piston collant avec un bloc de Redstone. Et ça tout le long. Voilà. Après, vous allez prendre des blocs quelconques. Donc moi, pour assez différencier, je vais prendre du vert et du orange. Je vais prendre des torches. Voilà. Et vous allez donc mettre un bloc comme ça, juste à l'arrière de ce piston, et vous allez monter comme ça. Hop là. Oups, non, juste au dernier piston, comme ça, voilà. Et vous allez creuser là et mettre une torche. Pareil pour ici. Comme ça, hop là. Donc là, c'est normal que les pistons se rétractent et que le bloc soit là. Après, maintenant que vous avez fait ça, vous allez prendre donc, moi je prends les blocs verts pour différencier, et ça va faire comme ceci, tout simplement. Oups, amène le bloc vert ici. Faut toujours que la torche alimentée soit ici. Voilà ce que ça fait. Et ici, vous allez faire pareil, sauf que oui, ben voilà, faites comme ça. Là. Oups. Et hop là. Voilà. Ici, c'est pareil, sauf que ici le truc est bugué, donc ça alimente pas.
Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant mettre les blocs comme ça. Non, plutôt, excusez-moi, comme ça. Donc moi je mets entre deux, entre les blocs de redstone. Là et hop là, vous pouvez casser ça et vous allez mettre, donc vous allez prendre des fence gate et du verre, des vitres. Donc, vous allez passer les fence gate comme ceci et par dessus là vous allez mettre les vitres. Voilà. Et alors maintenant, ici, vous allez mettre, vous allez prendre un bouton quelconque de la redstone, un repeater, et vous allez mettre le bouton sur ce bloc, un repeater à un tick. Un bloc quelconque, une torche, fil de redstone, hop là, vous en mettez 1, 2, 3, le troisième, comme ça, à 4 tics, et prendre le bloc, et là, un fil, et encore un piston à 4 tics. Voilà ce que ça vous donne simplement quand vous allez appuyer à faire ça. Bon. Maintenant, vous dépassez de 2. Pareil. Au troisième, après le troisième, on va mettre un repeater à optique. Deux fils de redstone. Une lampe de redstone. Et là, vous allez mettre un fil plus un repeater à 4 tics. Voilà. Ensuite, ici, un repeater à 3 tics. Un fil. Et un repeater à 3 tics encore. Puis vous allez descendre. Et voilà. Comme il y a votre lampe de redstone ici, cette lampe va s'éteindre. Vu qu'il y a le courant derrière. Voilà. Et maintenant, tout simplement, on va réinitialiser. Voilà. Tout s'est réinitialisé. Bon, vous aurez sûrement pas à réinitialiser. Si vous allez mettre le truc de haut. Bon. Voilà. Et vous allez appuyer. Et ça va tout simplement marcher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc voilà, on va quand même retester. Mais ça marche nickel. Là après vous faites décorer comme vous voulez. Même le truc, on va le changer. On va le mettre ici. Et là, vous allez mettre simplement vous allez mettre pareil, comme ça. Et alors, là, hop là. Et voilà, ça marche nickel. Donc, vous avez votre ascenseur compact, rapide, qui marche super bien. Alors, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Bon, si vous n'avez pas compris le tuto, dites-le moi ou arrêtez-vous tout ça, parce que c'est vrai que c'est assez dur pour placer les torches, pardon, et tout ça. C'est quand même assez dur. Moi, c'est vrai que j'ai regardé plusieurs tutos et c'était quand même assez compact pour suivre. Il faut savoir que ce tuto là, alors j'ai pas trouvé d'ascenseur comme ça de tuto français. J'ai plus
trouver des tutos comme ça utilisant beaucoup de Redstone en français. Et là j'ai trouvé tout simplement, c'était un tuto anglais, donc je me rappelle vraiment plus de qui, j'avais très bien cherché. Et je l'ai repris et arrangé à ma manière. Ce qui a donné ça, ça donne un truc plus compact et tout. Donc voilà, moi je vous dis à plus, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos Redstone. Allez, ciao ciao tout le monde.